Salut à toutes et à tous, ici Farricon pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le quatrième épisode de ce Let's Tuto sur Space Engineer, l'ingénieur de l'espace. Donc là on commence directement par un joli combat entre deux vaisseaux, là il y en a un qui tape dans le cul de l'autre, marmole. Enfin voilà, donc on va continuer cette série sur les tutos. Juste pour information, là je les tourne tous à la suite parce que j'ai pas le temps que ça faisait, mais ça fait des petites vidéos. Donc tant mieux, c'est pas non plus trop, donc j'ai pas de retour ni rien. Donc on continue là sur le quatrième de souvenir, c'est ça, avec l'oxygène. Donc ça avance vite, là je pense que je vais tourner la totalité à la suite. Quoique c'est quelle heure? Ouais non, j'aurais peut-être pas le temps, même que je mange avant d'aller au taf. Voilà, donc le tutoriel 4 concernant l'oxygène. Donc ce tutoriel permet d'apprendre les variations de l'oxygène relatives au bloc, aux bouteilles, aux réservoirs et à la glace. Donc ça inclut en même temps le contrôle, les fonctions de contrôle des panels et la conception, the concept of creating a air tag room for pressurized. Ok, donc en gros c'est pour créer une espèce de pièce, je pense, une pièce pressurisée quand on est dans un vaisseau ou autre, pour éviter de mourir d'oxygène et d'utiliser notre casque à tout va. Ok, donc allez, c'est parti. You like to watch video? Non, parce que faut aller sur internet. Alors pour chaque action il existe une réaction égale et opposée. L'action est toujours égale à la réaction, c'est à dire que les deux actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraintes. Troisième loi de Newton. Et bah ça j'en ai bouffé en méca. Merci de me le rappeler mon petit Newton. Allez, action-réaction entre deux forces, que ce soit en méca ou en génie civil, t'inquiète pas qu'on en bouffe hein. Et voilà, pour ceux qui savent, maintenant vous le savez, je suis en génie civil. Voili voilou. Donc aujourd'hui, donc une petite vidéo classique. J'espère comme d'hab que cette vidéo vous plaît. Je ne sais plus quoi dire parce que j'enchaîne les vidéos depuis tout à l'heure, donc j'aurais l'impression de me répéter. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est pour un petit dimanche matin, ça me réveille. Et comme ça, ça ne vous laissera pas sans vidéo durant ces vacances où je devrais normalement améliorer mon petit ordi. Donc pour ce let's play ça n'a pas l'air d'être très utile, quoique pour le moment il n'y a pas grand chose. Donc on a 20 fps, 15-20 fps. On va dire c'est jouable hein. Et par contre pour Mad Game Tycoon ça devient complètement injouable malheureusement. Donc j'espère que c'est bien la RAM qui va changer quelque chose. Sur le tir graphique j'ai bien peur de pouvoir la changer. Alors pick up and drill here. Donc une foreuse portatrice. Ok. Use your hand drill to mine ice with the left click button and press F to pick up a rock of ice. Donc on va essayer de casser, on va casser de la glace. Donc il y en a déjà qui sont là, mais bon on va en casser, c'est plus drôle. Inventaire est plein? What? Ah mais j'en ai 10 000, ok. Mais moi je veux quand même casser. Oh, on casse tout. Je te fais un joli trou. Et donc je veux juste voir, est-ce que si je fais un petit trou, normalement ça fait un plus gros trou. Ah oui, le clic droit c'est vraiment pour faire un tunnel quoi. Mais par contre on récupère rien je crois de souvenir. Ça c'est de la glace, et ça c'était quoi ça? C'est de la glace aussi. Regardez, là. On va faire un clic droit. Ok d'accord, ça casse tout. Si je fais clic gauche... Ça casse tout mais en plus petit. Ah, ça fait une fenêtre carrée. LOL. Voilà, ma nouvelle maison, un petit igloo. Je me suis éclaté là. Ok, good. Ensuite, oh, c'est écrit là. Ice. Mais je sais qu'il y a de la ice ici, mon petit. Bon, enlève-moi ça. Merci. Alors, oxygen generator will produce oxygen from ice placed on their inventory. You don't need to mine all the ice blocks, you can just pick up the lost rock and place them into the generator. It takes a lot of air to fill a large room to 100% pressurisé. Ok, donc enfin bon, fallait pas prévu, fallait pas tout casser, fallait juste récupérer ce qui était par terre. Tant pis. Donc ok, donc on les place dans l'inventaire de l'oxygène generator. Et donc ça va nous faire de l'air pour une grande salle 100% pressurisée. Ça va pouvoir que j'ai l'air qui descend. Donc on va mettre de la glace.
Voilà, normalement ça a l'air de fonctionner. Là-dedans, Air Van Drill. Je sais pas ce que c'est. Non, ça doit fonctionner, je pense. Oxygen generator will produce oxygen from ice placed in the inventory. Processus oxygen can be dispersed into ceiling interior with air vent block. Ah, la ventilation, d'accord. Turn on air vent using the Nerby button panel to process. Ok, donc en fait ça c'est un bloc de ventilation. Donc normalement les dieux doivent être reliés par des tuyaux, je pense. Non, ils sont l'un contre l'autre. Ok, donc ils sont l'un contre l'autre. Donc du coup en fait il y a l'oxygénérateur qui va directement produire, et donc si j'appuie sur le button, hop, on a de l'oxygène. Ah oui, waouh, carrément les petites particules et tout. Il est trop bien fait ce jeu, il y a carrément la ventilation. Ah oui, donc dans les vaisseaux ça va être galère, ça a l'intérêt de bien gérer le stock de glace, hein, Monte. Parce que là je sais pas combien ça fait pour un bloc, mais... Enfin, normalement là je suis pressurisé. Alors... Ok, donc with pressurized environment, it's safe to remove your helmet. Donc sur FJ, hop. Je ne suis pas mort, j'enlève mon casque et je suis pas mort. Ah, je suis vert. Quoique. Santé, 96, 95. Oh oh. Donne-moi de l'air. Non, c'est faux ça, je perds de la santé moi. Il y a une couille. However, for this tutorial, is the best to keep your helmet on. Air vent will light up green when in a ceiling interior. Multiple green light indicate the density of breathing air. A yellow light indicates the air is not air-tinging. Donc pressurise en fait, air-tight. C'est ok, pressurisé. Par contre, si j'enlève mon casque, je meurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai encore de la glace sûrement. Brutive. Tu veux pas y prendre sur toi, non? C'est trop demandé. Ah mais... Je l'ai pas mis dans l'oxygène générateur, moi. Voilà, là, ça va pressuriser de l'air. On va prendre directement, hop. Voilà. Mieux, donc là, si je l'enlève, je ne meurs pas. Des problèmes soignés d'ailleurs. Voilà. Alors cette fois je n'ai pas mon casque. On peut voir que casque il est éteint. Et donc il y a ça qui fait de l'air. Je veux juste voir est-ce que ça pressurise bien ou pas en fait. Enfin est-ce que ça consomme beaucoup. Ouais, ça va encore. Alors, ensuite, 100% fill this room with enfin, deux process oxygène, somewhere slow to fill the room but require no ice to make oxygen. Oxygen vent 73%. Ah oui, il est pas à fond. What? C'est quoi ça? Moi ça? Open the roof. And deploy the oxygen farm by pressing button 2 to fully expose the oxygen farm to the sunlight. Donc en fait c'est des fermes à oxygène, faut les exposer au soleil. Donc on va ouvrir le toit. Power oxygen farm will continuously generate oxygen when expose the sunlight. Donc en fait il produit de l'oxygène en continu quand il est exposé au soleil. Donc là on ouvre le toit. Donc là il tourne juste de l'autre côté en fait, ça c'est dommage. Ah les ombres et tout, mais il est magnifique ce jeu, c'est un truc de fou. Ah voilà, donc là on peut voir qu'il génère de l'énergie, enfin de l'oxygène. C'est trop classe, par contre je te dis... What? Je te dis même pas comment on va faire pour... Enfin comment les quantités de... Comment ça s'appelle? La quantité de... Je trouve plus mes mots d'objets et de tout, une quantité qu'il va falloir de ressources, voilà, je trouvais plus mots qu'il va falloir pour fabriquer ça, ça va être quelque chose de comique. Maintenant je fais quoi hein?
là, il y a encore un système de ventilation qui est posé contre un convoyeur et... Ah! Pourquoi j'ai perdu de la santé? I don't know. But I... Donc là, en fait, vous voyez, ça, l'oxygène qui est produit ici, elle va ici. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte, là. Voilà, là, on est à 100%. D'ailleurs, ça s'est relié en direct, c'est cool. Title. Ok. Voilà, voilà. C'est hallucinant, ça. Allez, on revient ici. On s'assoit pour recharger notre oxygène. Enfin, notre énergie, du moins. Ensuite... Oh, il y a des armes et tout, là-bas, j'ai l'impression. Ok. Alors, 20... can be used to depressurize area and reconvoyer air into empty storage. This allows for less waste storage when building air block. Alors en fait, les ventilateurs peuvent aussi dépressuriser une pièce. Donc c'est le problème, c'est qu'on va faire une trappe de sortie d'un vaisseau par exemple, je pense. Et donc ça envoie l'air dans un stockage vide. Et donc, ok. Donc faut faire des building air block. Donc là on a des tuyaux d'oxygène. Donc on va lire quand même si... Oh, j'ai pas lu ici. Use the seat to recharge suite energy nécessaire. Oh, ça c'est normal. Ok. Alors oxygen tank can be set to supply oxygen so have a backup supply in case of emergency. Maintenant, donc les réservoirs d'oxygène peuvent être utile en gros en cas d'urgence. Si when you see your area full, turn stockpile mode off and set the vent to pressure to fill the windows. Room with air, button 2 et button 4. Button 2. Ouais. Ah, on peut. Ah, oui, d'accord, ça recharge les réservoirs d'oxygène. On va relire un coup ce qui était écrit. Turn stopless mode off to set the vent to the window. Okay. Et bouton 4. Dépressure off. Dépressure on. Tank supplies on. Tank supplies off. Donc si je fais off. Et dépressuriser off. Voilà, donc là on peut voir que ça ventile de l'air. Ok, si par contre je fais l'inverse, que je fais oxygen tank on et que je dépressurise. Voilà, je vais mettre sur off. Donc là l'air a été stocké là-dedans, donc là on met sur on et off. Allez, on. Dépressurise. On. Oh oh. Si la porte s'ouvre parce que j'avais fait un truc, mais. Ça y est, ça ventile. Si je fais on. On verra bien. Là, on a de la ventilation à tout va qui est au maximum. Ensuite, ici. Oxygen generator and oxygen tank can also be built. Into small ship to supply directly. Ah! Ah! Y'a plus d'oxygène, y'a plus d'oxygène, y'a plus d'oxygène, y'a plus d'oxygène. J. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Allez, c'est le 1, puis le 4. Je crois que j'ai cassé le système de ventilation. Tant pis. Alors que là, du coup, il n'y a plus d'oxygène. Ok, Into the small ship to supply directly to the cockpit. Ouais. Ah oui, c'est un mini vaisseau. Oxygen bottle can also be refilled from small ship oxygen generator and oxygen tank, but oxygen bottle are too large to fit through small convoyeur tube. Ouais. Ça, c'est des tanks d'oxygène. Alors, if you want to fill bottle from oxygen tank, you will need to manually introduce... Ok, donc en fait, je crois que c'est ça va... On est obligé de faire à la main, je crois. Si je mets ton... Non, pas ici. Il faut que j'y mette là-dedans. C'est un convoyeur.
Ah oui, en effet, c'est à 100%. Enfin, j'ai mis dans le générateur, je crois, comme un abruti. On va dire quand même c'est écrit. Ok, donc ça, c'est un générateur? Je sais pas. If you can oxygen the inventory, you fill automatically oxygen. Ouais. Si je mets ici, donc ça, c'est un oxygen generator. Ok. Good. Toujours pas d'air ici, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ah, je peux me soigner. Faut appuyer sur F hein, pour soigner si j'ai de ce que j'ai compris. Hop, voilà. Ensuite, pick up tool and steel plate here. Ouais, bah, comme d'hab. Bon, viens là toi directement. 8. Ah ok, c'est pour ça en fait que je perdais de l'oxygène, parce que c'était pas pressurisé. Ok, je comprends mieux maintenant. Finish well the armor block to create an airtight seal in the room to process the air vent in the roof will turn green with it detect a steely environment at begin oxygen. Ok, donc en fait c'est pour ça qu'il était en orange tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait une perte d'oxygène ici. Faut tout réparer. En fait pour les réparer il faut des plaques. Vous voyez là il me faut 5 plaques. Et 20 plaques. D'accord, en fait ça coûte cher ces conneries. Enfin, il y a des plaques pour en fabriquer et en plus des plaques pour y... Clairement ça va tourner au vert là-bas. Non. Ah non, il est là encore. Voilà. On a un truc tout beau tout propre. Ah, j'entends la ventilation. En effet, c'est pour ça qu'il a été tourné orange, c'est pour éviter de perdre de l'oxygène pour rien. Il y a lui qui s'était coupé, vu qu'il avait trouvé une perte de pressurisation. Ce jeu est complètement poussé, les gars. Ouais, c'est un truc de fou. On peut enlever notre casque d'ailleurs. Je surkiffe ce jeu. Enfin, je pense que j'ai pas beaucoup regardé des vidéos sur internet ou autre. Mais je suis sûr que les gens qui font ces vidéos, enfin, il y en a, je pense qu'ils auraient pu faire, j'ai pas limite, des films sur ce truc avec des scénarios et tout. Ouais, on s'est pris un missile, j'ai été repressurisé et tout. Enfin, bref, limite une aventure à la Stargate Universe par exemple ou autre. J'en reviens pas de là, à quel point ce jeu est poussé pour une early access, c'est un truc de psychopathe. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. J'espère que.